Les amis, bonjour. C'est notre première messe online. Nous l'avons jamais encore vécue. Alors, je vous encourage de vivre avec des gestes appropriés. Nous sommes à la maison. On est peut-être tenté de aller prendre un petit café, petite tisane. Restons concentrés. Faisons des attitudes comme si nous étions à l'église. L'église qu'aujourd'hui vous vivez dans vos foyers, dans votre maison. Nous sommes à Saint-Sauveur, c'est Père Raphaël qui va présider cette messe. Il y a notre cher diacre, Jean-Baptiste, qui est avec nous, tout simplement. Ce n'est pas parfait, mais nous sommes tous en communion, visioconférence, visio-messe. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous commençons cette célébration par la bénédiction des rameaux. Prions le Seigneur. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux, nous les avons déposés ici dans cette chapelle Saint-Joseph pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au monde quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir par la résurrection. Lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute.
Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ce qui me voit me bafoue, il regarde en hochant la tête, il conteste le Seigneur qui le délivre, qui le sauve. Puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, en ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé. Devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Louons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. Tu n'en as pas tous les témoignages portés contre toi?
Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit : « Que voulez-vous que je vous relâche, Barabbas, ou Jésus appelé le Christ ?» Ils savaient en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit : « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Il répondit : « Barabbas. » Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?» Ils répondirent tous : « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il crie encore plus fort : « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit : « Sang, sang, qu'il soit sur nous ou sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et ils restaient là, assis, à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient : « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant : Il n'a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous tuerons en lui, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il aime, car il a Dieu. Car il a dit : Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte : « Eli, Eli, lema sabachthani. » Ce qui veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu as abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient :
Le voilà qu'il appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien s'il vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ils se montrèrent à grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les circonstances dans lesquelles nous vivons cette semaine sainte, ce dimanche des Rameaux, sont difficiles. C'est très particulier. Mais cela ne nous empêche pas de vivre tout ce qui se passe dans la foi. Au contraire, nous sommes appelés en ce moment de suivre le Christ, de fixer nos yeux vers celui qui a vécu une grande épreuve au moment de sa passion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pendant tout cela, il a fait les dons de soi. Il a transformé ces circonstances difficiles en un don de soi, un don d'amour. Et je crois, je suis profondément convaincu qu'en fixant les yeux sur Jésus, en méditant sa passion, en contemplant sa mort sur la croix, nous aussi, nous pouvons trouver la force, le courage de cheminer dans la foi. Malgré l'épreuve que nous vivons, nous sommes dispersés dans l'espace, mais en même temps, nous sommes unis dans la prière, dans la foi. Essayons de vivre ce moment dans l'espérance, demandant au Seigneur, « Seigneur, aide-nous à vivre tout cela » dans la foi, avec toi, avec les autres, tout simplement dans l'amour. Laudate omnes gentes. Laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen. Pour sauver tous les hommes, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Levons les yeux vers lui et confions-lui toutes nos demandes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Église et chacun de ses membres vivent intensément la semaine sainte qui s'ouvre ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les dirigeants du monde et les responsables des affaires publiques et le souci des plus pauvres, ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les jeunes et toutes les personnes sous l'emprise d'addiction soient soutenues et accompagnées, ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les chrétiens et les hommes de bonne volonté travaillent à plus de justice, ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Christ et Seigneur, que nous acclamons en ce jour, daigne porter avec ta croix les cris des hommes qui espèrent en ton amour. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Magnificat. Magnificat, magnificat anima mea. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et les seuls vivants. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cesse de t'acclamer en chantant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Elle la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand les mystères de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Une toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes qui ont quitté cette vie, en particulier les défunts de notre village, les défunts de ces familles qui n'ont pas pu faire les célébrations religieuses. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu notre amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Maintenant, avec confiance, unis dans le même esprit, nous disons la prière que nous avons reçue de Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. En pitié de nous, Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir. Dans ce temps de confinement, vous ne pouvez pas communier le corps et le sang de Christ. Mais l'Église nous a dit que vous êtes avec nous en communion spirituelle. Elle est aussi importante et aussi valable pour chacun de nous, même si nous sommes dans la maison. Jésus, 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 Jésus,
Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, mes chers amis, merci beaucoup pour cette prière que nous avons faite ensemble, pour cette célébration un peu différente que d'habitude, mais quand même, le Seigneur, il agit dans nos cœurs. Si nous sommes unis dans le même esprit, dans la même foi, et soyons courageux et courageuses dans ce temps de confinement, le temps difficile. Nous voulons vous passer un message d'espérance à la fin de cette messe. Courage, et je vous dis à très vite, et même à toujours. Et voilà, mes chers amis, n'hésitez pas à regarder notre site internet, notre Facebook paroissial. On essaie d'être présent pour vous donner des idées, des moyens plus spirituels, plus profonds, sur le plan des formations, musique, etc. C'est pour nous encourager d'être ensemble. N'hésitez pas à passer aux autres. Sachez qu'il y a un Facebook paroissial. Nous sommes là, près de vous. Cette semaine, ce sera spécial, particulier. On va essayer de vous donner des messages. Mais aujourd'hui, vous le savez, les buis, les rameaux sont bénis. Vous pouvez venir dans toutes les chapelles, toutes les églises de notre vallée. Oui, nous sommes allés dans tous les villages parce que c'est important, c'est symbole. Alors, courage et passons des petits messages d'espoir, d'espérance. Prions les uns pour les autres. Nous, les prêtres, on prie la messe chaque jour. N'hésitez pas à nous envoyer des intentions de messe. Il y a deux prêtres dans notre vallée et un diacre. Nous sommes là, on vous aime. Et courage, encore une fois, nous sommes tous ensemble à la maison, mais unis. À la fin, bénédiction solennelle. Et après cette bénédiction solennelle, on va écouter un morceau de musique préparé par une de nos paroissiennes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Thank
Merci mes amis, à la prochaine. Merci à tous et à celles